Gourmandise oblige, eh bien j'avais très envie de donner un petit coup de peps au serveur Dell PowerEdge R710 dont j'avais fait l'acquisition il y a quelques jours. Bah oui, en même temps, c'est vrai que le Xeon E5530, bah ce n'est jamais que 4 cœurs et 8 threads. Bon, c'est vrai que ce n'est pas non plus le Nirvana, on est bien d'accord, mais c'est vrai que pour ce que je voulais en faire, j'espérais quand même avoir en tout cas une puissance de calcul un tout petit peu plus importante. De plus, bah ce sont des CPU qui datent d'il y a plus de 10 ans, et donc on est loin de péter des scores. Bon, en même temps, si ce n'est que pour un travail de bureau et un minimum de virtualisation, on va pas s'en plaindre, c'est parfait. En vrai dire, j'ai déniché un bon petit site anglais qui s'appelle Borgen Software, je vous mettrai le lien en description, pour débourser pas moins de 15€ pour deux processeurs E5649, 6 cœurs, 12 threads, et ma foi, bah, je peux pas m'en plaindre, hein. Ça me fait quand même une petite plus-value sur la puissance de calcul. C'est vrai qu'en même temps, bien, je vais sur des terrains qui sont totalement inconnus, même si ce sont les mêmes structures d'un PC mais en version serveur, bah fatalement, il y a de quoi quand même un tout petit peu se poser des questions. Alors voilà, bah moi je vous propose simplement de faire l'upgrade ensemble. Enfin non, moi je mets les mains dans le cambouis et vous, bah, vous vous prenez une tasse de café comme d'habitude, vous vous tapez des petits biscuits et vous vous installez et vous regardez. Et le serveur fonctionne parfaitement, et je vous avoue très sincèrement que j'éprouve toujours un véritable plaisir de découvrir davantage cette machine. En gros, j'ai bien l'intention effectivement d'aller au-delà et bien aller plus loin en tout cas avec cette machine, et c'est pour ça que je vous sollicite systématiquement à chaque fois que je parle justement du Dell et du serveur pour que vous puissiez éventuellement proposer aussi vos suggestions. Qu'est-ce que vous aimeriez me voir faire en tout cas avec cette machine? Surtout n'hésitez pas, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir en tout cas d'avoir de vos nouvelles. J'ai bien quelques idées, hein. J'aurais bien voulu par exemple rajouter une carte graphique, mais malheureusement la situation actuelle avec la crise des cartes graphiques réfrène un tout petit peu mon engouement pour pouvoir faire l'acquisition d'une carte graphique à un prix exorbitant. Mais bon, ça malheureusement, on attendra et on prendra patience pour en tout cas proposer ce genre de projet un tout petit peu plus tard. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, un petit pouce bleu, une cloche de notification, abonnez-vous, bref, n'hésitez surtout pas à me donner de vos nouvelles. Vous le savez, vos petites interactions contribuent grandement au référencement de la chaîne, et vous n'imaginez pas à quel point c'est important. Et pour le reste, eh bien, je vous fais ce petit clin d'œil de pétasse. Et d'ici à notre prochaine rencontre, qui se fera très très prochainement, j'en suis sûr et certain, surtout n'oubliez pas, quoi que vous fassiez, faites le bien.